tous un jour rêvé en regardant Easy Rider ou l'équipe est sauvage de nous évader en moto, tutoyer les grands espaces. La moto sera synonyme d'évasion en compagnie de quatre motards. Tout d'abord, Mrs. Jenny. Une motarde, un motard, Frédéric. Voici Stéphanie. Et à midi, samedi, Monsieur Nounours. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut, Billy the Boy. Rock and roll. So rock and roll. Nounours, bonheur, accueillons Fen Chouchou et les potes. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Luc, comment ça va? Ouais, le gagnant d'hier s'allume sur nos télévisions, le standard est ouvert. Nounours, tout va ou pas? Tout baigne. Tout baigne. Heureux, ça fait combien d'années de motard? Ben, ça fait beaucoup d'années, mais surtout beaucoup d'années où j'avais envie de te rencontrer. Mais ça fait plaisir, Nounours. Mais comment se fait-il, Nounours? Parce que toutes mes collègues au boulot, ouais. Eh ben, elles sont folles de toi. C'est dingue. Elles me parlent de toi tous les jours. Mais comment s'appellent-elles? Ben, il y a Cassandra, il y a toutes les collègues. Quoi. Je plus il faudra les embrasser. Envoie leur un gros bisou, ça leur fera plaisir. Mais je vais les embrasser toutes, là, je les embrasse, ça y est, et avec plaisir. Juste, on se tutoie, on est motards. Ok. Ok? Ça va. Ça fait plaisir. Donc, gros cube ou petit cube? Gros cube et gros cul. Plaisir. Bienvenue chez les motards, sympa. Bon, une femme ou pas? Est-ce que bon, Nounours, une femme ou pas de femme? J'ai eu une femme dans ma vie. Ouais, et alors? Elle m'a demandé de choisir entre elle et la moto, je suis parti. Ah bon? Ah oui, ah oui. Ah oui. C'est vrai, à ce point-là? Véridique, véridique. Et elle a refait sa vie? Non, moi non plus. Ben c'est ballot, Nounours. Non, mais maintenant, je suis trop habitué, je fais ce que je veux quand je veux. Oui, mais c'est moche, quand même. Ben non, on se voit souvent, les bons copains. Ah ouais? Ah oui. Envoyez-lui un petit bonjour. Mamour, je t'adore. Mais attendez, Mamour, elle est de son côté, vous, là, et puis rien, pas de... Oui. Non? On se plaît bien chacun chez soi, là, maintenant. Ok, d'accord. On a pris ces petites habitudes de vieux, là, tu vois. À quel âge vous avez, Nounours? 60 ans, bientôt. 60 ans, Nounours? Ouais. Attends, moi j'aimerais bien être un nounours de 60 ans comme vous, hein. Super. Première question. Cool le nounours, hein. Super cool. Première question sur 100 femmes comme les radars, combien flash sur les motards? Première question, ça va mon nounours de Feng Shui? Tout à fait, Jean-Luc, je vais très très bien, je prends des renseignements. Pourquoi vous voulez vous lancer dans les deux roues ou dans les... Oui, tout à fait, sur les motos. Sur les motos. Oui. Jenny nous dit... Oui, 38. 38. Est-ce qu'alors, bon, motarde depuis combien de temps, motarde? 10 ans. Depuis 10 ans. 10 ans bientôt. Gros engin, petit engin? Moyen, 600 cm3. 600 cm3. Et puis un club, tout... Voilà, un motoclub féminin qui a été fondé en octobre 2004 et un team de piste. Donc le motoclub féminin, c'est les Dark Angels, c'est le team de piste, le THT. C'est quand même sympa, voilà, sympa. Motard sympa. Passionné. Voilà. Frédéric Chous. Comment? Salut public. Attends. Attendez. Parce que Frédéric... Nounours. Apparemment, Nounours, excusez-moi de vous déranger, avec Frédéric, on a un sacré numéro, non? Oui. Hein? Je me suis bien marré en coulisses avant, moi. Ah oui? Vous vous connaissiez avant? Du tout. Ah du ouais. Il vient d'Orléans et moi je viens de Belgique. Ah oui, d'accord. Ah, vous êtes belge? Ah oui, je suis de Ciné, une fois. Ah très bien. Au sud de Namur où on fait de la bonne bière, là. Oui, oui, bah ouais. Oui. Alors, les Chous, alors? Bah, when again. Et oui, non mais bah, oui. Et oui. D'Orléans? Je crois, oui. Le flash de votre vie, Frédéric. En quoi? Bleu. Hein? En bleu? Ah, la bleue, là. Ah oui, la bleue, c'est la vôtre? Oui. Et alors? Cool. Je me doute, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Fred? Militaire. Ah! Non, mais je sais pas, je... Quel type de militaire? Armée de terre. Je suis monteur en lunettes. Pour le service de santé des armées. Attendez, ouais, Non. Alors en fait, mon outil principal... ouais, c'est les lunettes. C'est la clé de 12. Ouais. Parce que je vais dans chaque régiment et dès qu'il y a une lunette qui va pas, je mets un coup de clé de 12. Bon, sympa. La moto, c'est venu comment, Fred? Depuis longtemps. Ouais. Que j'avais envie, mais ça fait pas très très longtemps que j'en fais. Oui, d'accord, ok. Une petite amie, une femme, quelque chose? Oui, une copine, oui. Alors? Depuis 10 ans.
Alors? Bah, c'est mon problème, ça, alors. Non, ça va, ça va, ça va. Non, non, mais elle partage votre passion, c'est ça, ma question? Ah non, 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 non. Ah bon? Non, la peur. Ah oui? Ok. Fred, vous avez répondu? Ça. Vous vous en rappelez plus? 39, je crois. Bravo! Je vois que même sans lunettes, ça marche bien. Comment? Pardon, excusez-moi. Stéphanie, vous avez répondu combien? 35. 35%, on est tous dans les 30. Nounours a répondu. Exactement 38 aussi. Exactement 38, les extrêmes se rejoignent. La première réponse est de... Et finalement, 32%, vous n'êtes pas loin. Bravo, c'est Stéphanie la plus proche. Et c'est Frédéric le plus éloigné. Fred! Ça y est, j'en paume déjà? Ouais! Je viens d'arriver? Oui! On vient d'arriver, on perd déjà un pote. Ouais. Question suivante! Ah, c'est pas mal ça! Sur 100 femmes, combien appuient sur la pédale de frein quand leur mari est en roue libre? Avec l'argent du ménage. C'est-à-dire que le mari dépense beaucoup et c'est madame qui appuie sur le frein avec l'argent du ménage. Frédéric, vous répondez combien? 79. 79%? Est-ce que c'est madame qui tient un petit peu le budget ou pas? Non, mais... Ah oui, il faut faire attention. Stéphanie, un budget qui explose, c'est sur quoi? Bah, moi j'ai tendance à pas aimer dans le rouge, donc je le suis très très rarement. Donc en fait, c'est pas un budget qui a explosé, mais c'est de payer cash ma première moto. Oui. C'est jouissif de pouvoir payer cash quelque chose qui coûte aussi cher. C'est jouissif de payer... Attends, ça fait réagir Nounours. Qu'est-ce qu'il y a, Nounours? Non, mais j'aime bien quand une femme jouit, c'est tout. Ah oui, non, mais merci. Non, mais merci. Nounours. Donc Stéphanie, vous avez répondu combien? 49. Notre ami de la Belgique, Nounours, si je vous dis gros budget qui explose. Ma première américaine. Ah. Ah. La moto, hein. Ouais, ça fait 25 000 euros, ça. Ah oui. Ah. Ouais. J'ai payé par mois, j'ai payé par mois. Ah ouais. Ouais, ouais. J'ai financé. Combien d'années Pendant 5 ans, ouais. Il paye encore. Ah, ouais. Non, elle a payé. C'est en 78. Elle est vendue, malheureusement. Ouais. Ah oui, pourquoi malheureusement? Il a fallu s'en séparer? Oui. Ouais. Un petit problème de budget, non? Oui, ouais, un petit problème de budget, oui. Ah oui. Ça fait mal, non? Ça fait mal. J'ai pleuré pour la première fois de ma vie. Quand j'ai perdu ma moto. Quand j'ai perdu ma moto. Ouais, ouais. Et je sais toujours où elle est. Oui. Et le gars qui me l'a acheté, de temps en temps, il me dit, Nounours, quand tu veux, tu viens et je la prends et je vais faire un tour. C'est avec. Pas vrai. Ah oui. Et vous n'avez pas envie de la racheter un jour, cette grosse moto? Je suis en train de mettre de côté. Et alors? Eh bien, je vends des Nounours. C'est mignon. C'est mignon, Nounours. Alors, sur cette question, sur 100 femmes, combien appuie sur la pédale de frein? Nounours, vous avez répondu? Est-ce que je peux te répondre une fois en belge? Bah, bien sûr. Ben, alors, c'est 76 que j'ai mis. 76, ouais. 76%. Les femmes tiennent plus les cordons de la bourse ou pas, à votre avis, Nounours? Ah oui. Ah oui? Ah, moi, j'avais une femme très économe, oui. Et alors? Ben, je devais faire attention tout le temps, je faisais engueuler. Ouais. Ouais. Bien. Jenny, vous avez répondu? 62, il me semble. 62, si on parle d'explosion de budget, le budet qui craque. Je voulais à tout prix avoir le même pantalon en cuir qu'une copine à qui ça allait très bien. Oui. Et j'avais pas du tout les moyens de me l'offrir et j'ai craqué. Oui. J'ai craqué et le pire, c'est que le pantalon me va pas. Merci Jenny, c'est très sympa. La réponse à cette question est de 83%. Regardez, regardez, regardez. Comme quoi les femmes... C'est les femmes qui tirent un peu pour les... Quoi, Frédéric? 10 ans de dictature, c'était sûr. Qu'est-ce qu'il y a? 10 ans de dictature, c'était sûr. Pourquoi 10 ans de dictature? 10 ans de coup de coude dans les côtes, c'était obligé que je gagne, là, sur ce coup-là. Ah bon, excusez-moi, pardon. Stéphanie, malheureusement, vous êtes la plus éloignée. Mais on passe tout de suite à la question suivante. On va parler de la rencontre avec la maréchaussée, avec la police. Il y a des rencontres qui sont agréables en tant que motard. Et il y a des rencontres qui sont moins agréables. Quand on est une femme, comment ça se passe, Jenny? Super bien. Ouais. Super bien. Je me suis fait arrêter 5 fois pour le pot, pour le bruit un peu trop fort. Qu'est-ce qu'il a, votre pot? Dégage un peu trop de bruit. Ah. Et alors, comment ça s'est passé? Et alors, 4 fois, les policiers ou les gendarmes étaient « Attention, mademoiselle, hein, c'est pas très bien, c'est pas très réglementaire. » Et je leur disais « Ah bon
Je ne sais pas trop, je suis désolée. Et la cinquième fois, bon, c'était la bonne. Bon. Frédéric, rencontre avec la police, Fred. Moi, je vais choisir le switch. C'est-à-dire... Je change la question. Ah ouais? Fred? Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Non, mais en principe, ça se passe bien et pas bien, faut voir. Ouais. Il y a une chance sur deux, c'est virgule. Comment... Mais c'est plus facile quand on est une fille, quand même. Oui, pour vous, c'est compliqué. C'est pas simple. La dernière fois, allez... C'était il y a pas longtemps. Alors? Je suis tombé sur des cools. Donc c'est bien. Sur des cools? Oui. J'avais entendu autre chose, mais aussi. Ça va. Non, non, mais parce qu'on peut, on peut s'enfendre de temps en temps. Voilà. Et alors, bon, la dernière fois, c'était les cools. Oui. Deux fois de suite, d'ailleurs. Ah, c'était j'étais les mêmes? J'étais assez impressionné. Ah non. Ah ouais. Ah bah non, sinon, ils m'auraient ruiné au deuxième tour. Ah, ah bah oui. Ah oui, parce qu'il y a deux tours. Ah bah oui. Et alors, bon, le jour où ça n'a pas été cool, ça a été compliqué ou pas? Ah oui, ça a duré trois plombes. Et alors? Hein, bon, et alors, voilà, j'étais obligé de me taire, et puis je suis parti, et puis voilà, ça s'est bien passé. Quoi. Stéphanie rencontre avec la police, dernière petite rencontre. Moi, j'ai pas de chance, j'ai pas une tête qui leur revient, vraiment. Ah mais, bon Oui, mais la dernière fois, c'était assez rigolo, parce qu'en fait, c'était des motards que je voyais arriver de loin, donc je me suis mis sur le côté en roulant pour les laisser passer. Oui. Et je le voyais stagner à côté de moi, donc en fait, il passait pas. Et alors? Donc vu qu'il passait pas, j'ai fini par tourner la tête, donc tout ça en roulant. Hein. Oui, bien sûr. Et il m'a parlé en roulant, donc il m'expliquait qu'il fallait mettre le clignotant, c'est pas dangereux du tout, déjà en roulant, comme oui, ça. Oui, oui, on peut s'accrocher les rétros, enfin, etc. Ouais, et au bout de 5 minutes à me faire un speech comme quoi les clignotants, c'est bien à gauche, je lui disais oui, je sais que c'est à gauche. Oui. Et ben, il est parti en faisant un petit jus de cana sur le rond-point, histoire de dire que... Oui. Ma grosse frime. Oui, voilà. Que c'était le motard. Qu'est-ce qu'il dit, Nounours? Un peu frimeur, regarde. Ah oui, hein, quand même. Mais il y en a des motards frimeurs, hein, comme ça. Hein. Question suivante sur 100 femmes. Combien ont déjà dégrafé leur chemisier quand un motard de la police leur fit un signe de s'arrêter? Et ça, c'est pas super, alors que j'entends les potes qui sont partis tranquille et tranquille. Fred, attention, apparemment, les potes sont partis sur votre bécane. Hein. Ils sont là-bas. C'est les deux petits, là? Oui, c'est ça, c'est les deux petits. OK. Ouais. Bon, ils ont de la chance, ils sont plus nombreux que moi. Bon. Ça ira pour cette fois. Stéphanie, vous répondez? 19. 19%? Oui. Dis donc, vous avez l'air triste, hein? Ouais, ça me paraît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a, Nounours? Je ne sais plus ce que j'ai mis. Mais on va pas regarder l'ordinateur. Ah, ça va. 26%. Oui, c'est bien. Ça va? Ça va, très bien. Jenny, vous avez répondu? 16%. 16%. Bon, vous, avec la police, ça se passe généralement assez bien. À part ces petits problèmes de peau. Fred? Je... 40... lourd. Ah oui, vous avez pris lourd, vous. Je sais plus. Ouais? 45, non, c'est pas ça? Oui, 45%. Réponse? 39, Frédéric. Étonnant, ce Frédéric-là. Je vais aller là-bas directement? Pas encore, parce que là, pour l'heure, Jenny perd un pote, mais nous passons tous à la question KO. Nous allons parler d'un câlin de feu pour la question IN. Il y a toujours eu un... Ça vous fait sourire, Nounours, hein? Vous avez dû connaître des choses extraordinaires, Nounours. Ouais. Si je vous dis câlin de feu, comme votre moto... Ben oui, mais ça m'est arrivé, j'avais 19 ans. Donc ouais. La découverte, à l'époque, il faut savoir qu'on n'était pas aussi précoce que maintenant. À l'époque, à 19 ans, c'était précoce. Ah, vous avez fait la découverte à 19 ans? 19 ans. La première fois, c'était à 18 ans. Oui, et... Je rappelle juste quand même que Nounours a 60 ans pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, puisqu'il l'a dit tout à l'heure. Je rappelle aussi que c'était avant de connaître ma femme, hein, pour ne pas qu'elle croie que je la trompais quand même. Oui, mais vous n'êtes plus avec. Oui, mais c'est rien, je ne voudrais pas qu'elle croie que je la trompais. Oh, c'est Nounours. C'est mignon. Alors, attendez, oui, alors. Je vais à la foire. Vous allez à la foire. Foire de Namur. Oui, Namur. On dit les manèges, là, comment est-ce que vous appelez ça? Oui, la fête foraine. La fête foraine. Très bien, très bien. Et là, en prenant un verre, je rencontre une jolie fille. Oui. Comme on fait d'habitude, je lui offre un verre, voilà. Très bien, très chic. Elle est très gentille et très rapide,